Avez-vous déjà ressenti cette sensation de malaise? Cette sensation où l'on a l'impression que notre vie peut basculer à tout moment? Je le ressens à chaque instant de ma putain de vie. J'ai l'habitude de connaître ça car j'ai un boulot assez dingue. Je suis enquêteur judiciaire et je le sais, ce travail va me tuer. Si on ne m'envoie pas dans des endroits chelous, des petites ruelles délabrées, les situations de merde me collent au cul sans mauvais jeu de mots. Chaque jour, je me réveille et j'ai l'impression de refaire sans cesse les mêmes choses, comme dans les films façon un jour sans fin, enfin, vous voyez le genre. Trop de répétitions, mais que voulez-vous? J'ai choisi ce taf, donc je n'ai pas à m'en plaindre. Si j'arrive à sauver des vies, je me dis qu'au moins, j'aurai fait quelque chose de bien dans ce putain de monde. 4h30, le réveil sonne, c'est l'heure. Encore une belle journée qui s'annonce. Je regarde ma sale tête dans le miroir et mon dieu, deux poches sous les yeux, je dirais même deux énormes trous noirs, putain. Bon, on s'habille et let's go. J'arrive sur le lieu du drame. Apparemment, ce musée aurait été le lieu de torture d'un foutu taré. Mon boulot est très simple, enfin, pour moi, mais en fait, je suis un profiler. Ça veut dire que je me mets dans la tête des tueurs, des assassins. J'établis les potentiels mobiles et leur façon d'agir. Il m'est arrivé de coincer pas mal de ces barges, mais bizarrement, il y a des enquêtes où je n'en ai plus jamais entendu parler. Comme si en l'espace d'un instant, rien ne s'était passé en fait. Je me perds dans mes explications et j'en oublierai presque ma présence dans ce lieu. 6 victimes, 2 à qui on a coupé les têtes pour les coudre entre elles, un homme âgé et une femme plutôt jeune sont retrouvés éviscérés avec leurs organes pendant à leur côté. On retrouve aussi un homme couvert de plaies, des centaines de petites entailles, la langue coupée, les oreilles amputées, les ongles arrachés, enfin, une vraie boucherie putain. Après examen complet de la victime, nous avons la confirmation qu'il s'agit du directeur du musée. Celui qui a fait ça voulait certainement le faire souffrir avant de l'achever. Dans quel monde nous vivons? Phase d'enquête terminée, je pars en observation du lieu, voir s'il n'y a pas de cachette où le taré aurait pu se glisser. J'arrive dans une sorte de cave. Merde, c'est quoi ça? Il y a toute une sorte de musée en dessous du musée d'origine. Mais celui-ci paraît vieux, très très vieux. Les tuyaux très visibles de tout l'espace plafonnier, il y a des fuites partout. La moisissure, en veux-tu, en voilà. Il fait sombre, humide, et autant vous dire que je préfère rester là-haut, quoi. C'est le jour et la nuit, je continue mes recherches, j'avance dans ce couloir sans fin. J'entends des bruits de tuyauterie, et je vois une porte au fond. Elle est ouverte. Je m'avance prudemment, et je pose ma main droite sur mon arme de service. Ne sait-on jamais. Je m'insère dans la fameuse pièce sombre, une petite ampoule s'allume, ça n'éclaire pas tellement, mais assez pour voir ce tableau des horaires. Le psychopathe a fait tout un pan de mur avec de la peau humaine. Des morceaux de corps sont cloués comme si c'était des post-it. Une oreille ici, une langue là. Là c'est un bout de nez. Des dents en nombre incalculable, des verres remplis d'yeux. Pour le coup c'est vraiment un musée mais pour psychopathe. J'entends du bruit, il y a plein de rats, une petite porte que je décèle grâce à l'ampoule. Je m'apprête donc à passer cette porte pour en découvrir son contenu. Ouf. Je sens une douleur à l'arrière de mon crâne. On m'a frappé violemment. Je sais pas avec quoi. J'ai dû tomber dans les pommes parce que je viens de me réveiller et je voulais poser ma main sur l'arrière de mon crâne pour toucher si je saigne ou non, mais mes mains sont liées. Je comprends pas. Je suis dans une pièce aussi sombre que celle d'avant. Je suis assis sur une chaise, sans doute au milieu de cette putain de pièce. Un homme entre dans la pièce et referme la porte dans un énorme fracas. Inspecteur, depuis le temps que j'attends ce moment, vous auriez dû regarder dans la deuxième pièce. Vous aurez gagné peut-être un peu plus de temps, voire même un petit bonus. Malheureusement pour vous, vous avez choisi la mauvaise porte. J'avoue, ça aurait été plus palpitant, plus intriguant. Je me suis permis de vous retirer votre arme, car vous en aurez plus utilité. Une musique commence à se faire entendre. Coup de poignard dans le genou, il me coupe les pieds avec une scie. Je ressens une douleur, mais pas celle que vous imaginez. Je sens mon cœur meurtri, démembré. Je ressens tout ce qu'il fait, mais la douleur, pour moi, je suis habitué. Comme si j'avais l'habitude de souffrir. Je me retiens de hurler parce que je sais que une fois qu'il aura terminé, tout deviendra noir. Petit moment de solitude, et enfin, j'aperçois un message dans la pénombre. La prochaine fois, je ferai mieux. 4h30, le réveil sonne, c'est l'heure. Encore une belle journée qui s'annonce.